On n'invente rien, on remet en marche des choses qui ont existé il y a plus de 50 ans. Et le plus grand référent dans ce domaine, c'est quand même Célestin Freinet, c'est un prof à l'époque qui emmenait ses enfants toujours dehors, voilà, bien avant tous les problèmes d'environnement, bien avant tous ces problèmes de santé. Voilà, on essaie de remettre au goût du jour des choses qui ont déjà été faites et qui ont prouvé leur efficacité, quoi. Ce sont des enfants qui sont, on va dire, repérés par les instits, qui ont des difficultés scolaires. Et le centre social, donc en partenariat, fait le soutien scolaire pour ces enfants. Sauf qu'on a décidé, nous, de faire du soutien scolaire, mais un petit peu différemment de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire rester assis à une table, et puis voilà, donc on le fait dehors. Et donc c'est à l'arrivée de Boris, qui a le diplôme d'éducation à l'environnement et au développement durable, et suite au Covid, qu'on s'est orienté vers des activités en pleine nature, parce que ça favorise les apprentissages, ça correspond complètement au profil des enfants aussi, qui sont souvent des enfants qui ont du mal à rester statiques derrière une table, qui ont souvent du mal à rester concentrés. Là, l'avantage d'être dans la nature, c'est qu'on travaille sur de l'accompagnement à la scolarité, mais de façon différente, et avec une adhésion maximum des enfants. On a beaucoup moins de problèmes de comportement, de cadrage, etc. Ils se sentent plus libres dans l'expression aussi, dans les relations aux autres. Et puis nous, on voulait sensibiliser aussi à l'environnement. On est convaincu que apprendre dehors, ça développe beaucoup de, comment dire, au niveau cognitif, au niveau concentration, au niveau découverte, curiosité. Les enfants sont beaucoup plus disponibles. C'est-à-dire les enfants qui n'arrivent pas à rester assis plus d'une heure sur une chaise, ben là dans la nature, s'ils ne restent pas assis, c'est pas grave. S'ils veulent crier, c'est pas grave. S'ils veulent courir, c'est pas grave. Voilà. Et ces séances-là, ben, sont rythmées. Voilà, il y a des temps libres, il y a des temps où on va faire les devoirs, des temps où on va nous apporter des apports, enfin des activités autour des mathématiques, du français. Voilà. On va apprendre la forme des lettres. On va trouver. C'est tout bête, mais cherchez-moi un i. Ben, voilà, on a trouvé un i. Voilà. Et puis cherchez-moi un O, autre chose, enfin voilà, donc eux ils forment les lettres avec ce qu'ils trouvent. Cherchez-moi le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, voilà, on a trouvé un 14, par exemple, hein, c'est des petits, c'est pour donner un exemple. Et l'école dans la forêt, enfin ces activités, en fait, elles existent en France depuis une quinzaine d'années. Et là, je nomme Christelle Ferjou. Les gens iront voir après, mais c'est quelqu'un qui a l'initiative de ce genre de démarche depuis une quinzaine d'années en France, et qui a commencé avec des maternelles. Et de plus en plus, ça se développe, et avec la situation qu'on vit actuellement, de plus en plus d'instits, de profs, semblent être de plus en plus convaincus que d'aller dehors, c'est peut-être une alternative à être en meilleure santé aussi, morale et physique. En fait, on travaille aussi la discipline, entre guillemets, quoi. Ce qui des fois, ces enfants, c'est vrai qu'à l'école, ont des problèmes de comportement, de discipline, parce que, on dit qu'il y en a qui sont hyperactifs. On fait de l'hyperactivité une maladie, mais c'est juste parce qu'ils ne sont pas forcément à leur place. Et que dans cette forêt, s'ils ont envie de, comme je disais tout à l'heure, de courir, de prendre un bâton, de taper sur un arbre, de scier, de couper, de se défouler, leur hyperactivité va être canalisée, ça va faire des enfants normaux, quoi. On a le retour des parents aussi, qui sur les premières séances, il y a le petit Mathias que vous avez vu, qui a dit à sa mère, maintenant on va aller se promener dans la forêt avec le monsieur des bois, parce que c'est mieux que de rester derrière l'ordinateur. Donc nous, on est vraiment ravis de la façon dont ça se passe, et le but, c'est de développer un maximum les activités en extérieur avec les enfants, du coup. Voilà, c'est fini.